PSG Fan TV, bonsoir à tous. 8e de finale aller de Ligue des Champions 2018. Que s'est-il passé ce soir? Exaspérant. Notamment la fin du match du Paris Saint-Germain. C'est exaspérant de voir ça. Exaspérant. Qu'en as-tu pensé, notamment de cette première mi-temps qui allait en notre faveur? Il faut le dire. Ouais, les Parisiens n'ont pas démérité, comme on le dit souvent. Tu sais, frérot. 15 minutes sont passées, on a laissé passer l'orage. Rabiot qui avait mal démarré le match, plus ou moins on va dire timidement. Une fois qu'il a marqué, ça nous a libérés, on a commencé à jouer un peu plus haut. Ça j'ai apprécié. Mais Lo Celso, il n'a pas le droit d'aller agripper comme ça dans la surface. Il n'a pas le droit. Il gâche tout ce qu'on avait fait à partir de la 30e. Tous nos bons efforts. Toute la belle image qu'on commençait à voir du Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui sortait les doigts du cul, pour une fois. Un Paris Saint-Germain qui tenait la dragée au Real Madrid. Il est venu nous niquer tout notre travail. Après, le 1 partout à la mi-temps était un bon résultat pour nous. Voilà, à la mi-temps. C'est cette deuxième mi-temps qui a... Néanmoins, à la mi-temps, ce 1 partout, il était bon. Après, au retour des vestiaires, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ça a déferlé sur nous jusqu'au moins la 70e. Le carton pour Rabiot. C'est une honte, il y a simulation de Modric, c'est grave de voir un arbitrage aussi merdique en Ligue des Champions, faut le dire, c'était merdique. Mbappé, il loupe. Neymar, il croque trop. Que peut-on dire? Des fois, il la lâche pas assez tôt. Mais sans vouloir défendre Neymar, on le connaît, c'est dans son jeu. On sait que c'est son jeu. Son jeu demande énormément de prise de risque. On le sait, mais là, ce soir... Il fallait jouer en équipe. Et tu vois, par exemple, ce soir, Cavani, il a beaucoup couru, il a fait beaucoup d'efforts, contre-efforts. Et je trouve qu'on n'a pas assez joué avec lui. Et c'est là, justement, je vais rebondir là-dessus, le coaching d'Emery, à nouveau, il est à chier. Parce qu'il ne faut pas sortir Cavani à ce moment-là du match. 64e, c'est un moment fort. On était encore en train de prendre l'eau. Mais vers la 70e, on a commencé à revenir. Cavani est sorti, il y avait un partout. Voilà, et après la sortie de Cavani, l'entrée de Meunier, ça a insufflé un nouveau souffle. On a vu des Parisiens avec des bons centres d'Alves notamment. Et on a commencé à ressortir un peu, à bien jouer correctement. Mais je pense que Cavani, la sortie de Cavani, elle est préjudiciable. Et ça nous a joué des mauvais tours à nouveau. Bah, je vais rebondir sur tes flops. Ouais, mon flop, c'est Lo Celso. Voilà, il y a quelques jours, j'ai dit que ce sera un monstre. Ça sera un monstre, oui, le jour où il aura musclé son jeu, le jour où il sera moins introverti qu'il est dans le groupe, dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Moi, je le vois, comment il se comporte sur le terrain, à rebaisser son short, à regarder un peu autour de lui. Et les gars, est-ce que je suis bien? Non, frérot, t'es très bien comme ça. Joue, la tête haute, sois fier. Tu joues au Paris Saint-Germain, bordel. Sois fier. Joue correctement, c'est un futur grand. Mais là, faut qu'il mise son jeu. Il s'est fait passer. À un moment donné, Benzema, il passe devant lui. Il a même pas le droit de passer devant lui, Benzema. C'est une plume. Il faut qu'il mise son jeu. Il faut qu'il mise son jeu. Là, on. Les deux buts coup sur coup à la fin du match, c'est pas normal. C'est pas normal. On aura noté la déception de cette sentinelle ce soir. Et sur tes deux autres flops. Au final, on prend la Sana Diarra. Il joue même pas ce soir. Tu vois. Voilà. Déjà, voilà. On prend la Sana Diarra, il joue pas ce soir. C'est normal? Voilà. On va dire que c'était des choix osés. Di Maria, on nous parle de Di Maria pendant des semaines avant le match. Di Maria, elle a pas joué une minute ce soir. Voilà. Bonne soirée. Merci à toi.